Salut de la France et de la Belgique, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette petite vidéo, ou longue vidéo, on ne sait pas. Il est midi tout pile, nous sommes le 30 avril 2020, deuxième vidéo de la journée. Non, ça. Deuxième vidéo de la journée, dans cette vidéo, dans la vidéo, on va parler de quoi? On va parler de la France et de la Belgique. Parce que cette nuit, j'ai fait un rêve. Je vais vous expliquer mon rêve. Dans quelques années, ça c'est dans mon rêve que j'ai fait cette nuit. Marine Le Pen, elle était présidente de la Belgique, de la France, pardon, excusez-moi. J'ai fait une bourde. J'ai fait une gaffe, là. Vous arrivez à tout le monde de se tromper. Ouais. J'ai fait une gaffe. Bon, c'est pas grave. Marine Le Pen, elle était présidente de la France. France, hein, pas Belgique. Président de la France. Et la reine de la Belgique, la reine des Belges, et des Belges. Et oui, c'était plus des rois, c'était des Belges. Marine Le Pen et la reine des Belges, ils se sont rencontrés en réunion pendant une après-midi. Et le lendemain, cette réunion s'était passée à la télé sur TF1. Les Français et les Belges, on a vu la réunion entre Marine Le Pen et la reine des Belges. Nous tous, Français et Belges, on a vu la réunion. Et là, le drame arrive. Et oui, le drame arrive. En fait, la reine des Belges a dit oui, les Français, ouais, en fait, elle avait insulté les Français. Elle a dit ouais, les Français c'est des abrutis et tout ça. C'est dans mon rêve, c'est pas moi qui le dis. C'est des abrutis et tout ça, ils font comme ça. Nous, les Belges, ils font comme ça. Voilà. Et quelques jours après, la France et la Belgique étaient en guerre. Voilà. Donc voilà, c'était mon rêve, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais je sais pourquoi j'ai rêvé de ça. Parce que moi j'habite à Tourcoing. Tourcoing c'est en France. Et moi je suis en internat en Belgique, à Tournai. Ouais, ma tournée c'est en Belgique, voilà. Et donc voilà. Et donc voilà, je pense pourquoi j'ai rêvé de ça. Je vais vous dire un truc. Mais plusieurs trucs même. On va faire un petit débat. Je vais vous dire mon avis à moi. Sur les Français et sur les Belges. Moi, je trouve. Allez, on va finir. On va commencer par le négatif et on va finir par le positif. Et comme ça, le négatif, c'est fait. Moi, je trouve que les Français sur la route conduisent mal. Attends, comment vous expliquez ça? Ouais. Les Français sur la route conduisent mal que les Belges. Les Belges conduisent hyper bien, hyper cool. Mais dire les Français, ils ont le volant et tout ça. Et dire les Belges, ils gardent leur calme. En plus, je vais vous dire un truc. Les Français, ils râlent tout le temps. Et les Belges, eux, ils sont toujours joyeux. En plus,
Ils font des bonnes frites, les Belges. Voilà. Je vous assure, moi, je suis français. Et origine français-belge. Voilà. Je suis un peu des deux. Voilà. Voilà. J'ai du sang dans mes veines qui. Du sang belge. Voilà. Français-belge. Voilà. Mais ma nationalité, je suis français. Sur ma carte d'identité, je suis français. Voilà. Ouais, je suis français. Après, je vais vous dire quoi. En plus, la frite, c'est créé par les Belges et par les Français. Et oui, je vais vous montrer cette vite. Je sais pas comment je vais faire parce que là, mon téléphone est en mode selfie. Voilà. Je vais vous montrer ça. Qui a créé et mais et la frite. Oh, là, on est d'une. Attendez, hein. Origine. Origine. De. Bon. Voilà. Ah, mon pied est endormi. Oh, putain. Mon pied est endormi. Attendez. Je vais vous monter ainsi. Je sais pas si vous voyez pas, j'ai monté. Aïe! Il y a un mode selfie. Voilà. Français et belge. Il a une image de. Voilà. Français et belge. Et oui! Attendez, je vais revenir sur mon lit avec mon pied endormi. Et oui! La frite, c'est belge et français. Voilà. Un peu comme moi. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu. Je suis français et un peu belge. Je suis un peu belge parce que les grands-parents de mon père ils sont nés en Belgique. Eh oui. Et les grands-parents de ma mère, ils sont nés en France. Alors donc voilà, je suis un peu des deux, mais plus français que belge. Ouais. Plus français que belge. Ouais. Moi, entre la France et la Belgique, mon pays préféré, c'est la France, bien sûr. Avec le gouvernement et tout ça. Et dit en Belgique, il n'y a pas de gouvernement. À cause des Flamands et des Wallons, ils ont. Ouais. Je sais pas comment ça se passe là-bas en Belgique, mais moi je suis français, alors. Je sais pas comment ça se passe en Belgique. Ouais. Mais je sais qu'en Belgique, pour voter, c'est obligatoire. Et si tu vas pas voter en Belgique, eh ben, tu as une amende. Et en France, on n'est pas obligé de voter. Voilà. On n'est pas obligé de voter. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, moi, je suis en internat en Belgique depuis 2014. Ça fait 6 ans que je suis en Belgique. En internat. Hein. Alors. Et là-bas, j'ai découvert les pêchetons. Et oui, on peut manger des pêchetons avec des frites là-bas. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, mais ça va être pas être bon les pêchetons. Et bien finalement, c'est bon. Avec des frites, c'est encore plus meilleur. C'est un truc belge, c'est pas un truc français, je vous le dis. Et donc, euh, et donc, euh, et
Et donc, quand j'ai dit ça à ma mère et à mon beau-père, ils ont dit, des pêchetons avec des frites. Ça doit être dégueulasse. Mais un peu comme moi quand j'ai découvert ce plat. Voilà. Et après, ma mère et mon beau-père, ils ont goûté que les pêchetons. Non. Ils ont goûté que les pêchetons, mais pas les frites. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. En fait, dans leur assiette, ils avaient des pêchetons et des frites. Ils ont mangé que des pêchetons et des frites. Mais j'ai tout mangé pour moi. Voilà. 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 Et donc, voilà. Bon, allez, on va finir la vidéo. Je vais vous dire juste un truc. Vive la Belgique et vive la France. Vive la Belgique. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie, nous le jurons tous, tu vivras, tu vivras, toujours grande et belle. À mes parents, moi je veux vivre en Belgique. Parce que c'est un beau pays et j'aime bien. C'est un beau pays et j'aime bien. Parce que déjà ils font des bonnes frites. Bruxelles, j'étais plusieurs fois, c'est hyper beau là-bas. Bruges aussi, Tournai aussi. Ouais, mais tout ça, quoi. Et la France, j'aime bien mais les autoroutes, comme la vidéo de précédent, je parlais des autoroutes. Les autoroutes, je parlais de quoi d'autre aussi Non. Dans la France, j'aime quoi? Ben, j'aime le paysage et tout ça, et tout. Et en Belgique, j'aime bien la ville, les plats, tout ça. Voilà. En tout cas, je vous dis une dernière fois. Après, on coupe la vidéo carrément. Je vous dis pour une dernière fois. Ah oui, hop, on va jamais finir cette vidéo. Oui, et je vais terminer ma vidéo. En disant, je peux pas vivre en Belgique. Parce que moi j'ai un handicap, oui ça se voit pas, mais peut-être ça se voit et ça s'entend à mon langage. Des fois je bégaye, des fois je...
J'ai pas le mal et tout ça. Donc voilà. Je peux pas vivre en Belgique pour une histoire d'argent, un truc comme ça. L'allocation familiale et tout ça. Voilà. Parce que moi je suis français, j'ai un handicap et je peux pas vivre en Belgique. Donc j'ai décidé de vivre dans le sud de la France, à côté de mon père, voilà. Au soleil, voilà. J'ai décidé de faire ma vie au soleil. Voilà. Bon, allez, vive la Belgique et vive la France. Et au revoir. Bisous. Notre Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Allez, c'est parti, vive la Belgique et vive la France, ou vive la France ou vive la Belgique, comme vous voulez, vous dites. À tout à l'heure ou peut-être à demain. Bisous, bisous.